السلام يا الاولاد، شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله توفا بيان. اش عاملين؟ قاعدين تقراوا ولا هاي؟ ان شاء الله ربي معكم وربي ينجحكم. هاي مادام باش نستناو اصحابنا شويه، عندي زوز ملاحظات باش نلاحظهم لكم قبل ما نبدا. فما بنيه في الشات اللي فات معناها قلت لاصحابها ما تقولوش بونجور ونحن مانيش في الصباح. بونجور يبقى نقولوها نهار الكوليكا، معناها ملي يطلع النهار حتى اش اللي تغيب الشمس ديما بونجور. لو جور فيه زوز، فيه لو ماتان، فيه لابري ميدي، وعندنا ميدي. بالنسبة لحاجة أخرى، بالله فما بعض الأولياء معناها اللي يشكروا فينا، بارك الله فيهم، معناها يعطيهم الصحة، معناها قاعدين مقدرين المجهود اللي نحن نبذلو فيه معناها. وفما أولياء أخرين يبعثوا لنا في ملاحظات معناها على دي كومنتير ولا في البريفي، معناها كيفاش تخدموا هكاك، واش بيكم هكاك، وعلاش هكاك، وندرى شنو، وحش برشا حاجات. هذا راهو نشاط تطوعي، معناها كونيكسيون ضعيفه كما تعرفوا الناس الكل، بتليفون عادي وبسبوره معناها متسلفين. معناها هذا راهو اجتهاد معناها على اقصى معناها من نجم. اتفقنا ولا هاي؟ حاضرين الناس الكل ولا مازلتوا؟ هاي نجمو نبداو. الو، به شفنا ثلاثة حصص اللي فاتوا، شفنا كيفاش نستعملوا لادجكتيف كاليفيكاتيف، كيفاش نعملوا له لاكور افيك لو نو، شفنا لا فاز مينيمال اي لا فراز اونريشي، وبعد شفنا لاكور ما بين لو سوجي اي لو فيرب. اللي شفناهم ثلاثة حصص هذوما اليوم باش نوظفهم اجوردي دون لا برودكسيون اكريت. معناها التلامذة اللي تبعتونا بالثلاثة حصص اللي فاتوا، اليوم باش تقيموا رواحكم اسكو فوز افي بيان كومبري او نو. دونك اجوردي اون فا انتامي لا برودكسيون اكريت. دونك اول حاجة باش نعملو ان بورتري. دونك في البرودكسيون اكريت باش نشوفو لو بورتري دون بيرسون، لو بورتري دان انيمال. Comment décrire une personne en bonne santé? Comment décrire une personne malade? On va décrire la nature. On va faire plusieurs productions. Donc aujourd'hui, on va commencer par le portrait d'une personne. Comment décrire une personne? Donc regardez bien ce paragraphe au tableau et j'attends vos commentaires. Vous allez me dire est-ce que ce paragraphe est un bon paragraphe ou bien c'est un mauvais paragraphe? Est-ce qu'il est bien écrit ou il n'est pas bien écrit? Donc j'attends vos commentaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce paragraphe? Est-ce qu'il est bien écrit ou bien il n'est pas bien écrit? Oui? Bonjour. Donc, je vais vous lire ce paragraphe. Je suis sympathique. J'ai les cheveux noirs. J'aime le sport et je suis de grande taille. Je m'appelle Ahmed. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui s'appelle Ahmed? Donc, je m'appelle Ahmed, mon nez est petit et j'ai une petite bouche. Qu'est-ce que vous en pensez de ce paragraphe? Est-ce que c'est un bon paragraphe ou bien c'est un mauvais paragraphe? Donc, oui, c'est un bon paragraphe. Les autres? Ah, oui, c'est le même. Ouais, je dis. Oui, les autres, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce paragraphe est bien écrit? Est-ce que les idées dans ce paragraphe sont en ordre? Est-ce qu'il y a une chronologie des idées? Est-ce que les idées sont bien écrites dans ce paragraphe? Je parle de la sympathie, puis les cheveux, puis grande taille, ensuite le nez, la bouche. Est-ce que ce paragraphe est écrit en ordre? Donc, eh bien, ce n'est pas comme ça ou comme ça qu'on fait un portrait d'une personne.
Donc, pour faire le portrait d'une personne, donc je dois suivre des étapes bien déterminées pour écrire un bon portrait. Donc, le portrait, tout seul, le portrait MCJ dans un récit, vous allez voir ça avec Madame Kauffer, sommeil. Elle va vous montrer comment intégrer cette description dans un récit descriptif. Donc, il lui faut bien sûr un début et il lui faut aussi une fin. Donc, c'est une description qui doit être intégrée dans un récit descriptif. Donc, comme je viens de vous dire, vous allez voir ça. Alors, on va voir maintenant comment écrire un portrait correct d'une personne. Donc, les idées dans ce paragraphe ne sont pas bien écrites, elles sont mélangées. Donc, on va voir comment les écrire en ordre. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, on va faire ensemble. Donc, pour écrire un bon portrait ou bien pour faire une bonne description, on va commencer tout d'abord par savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, général. C'est-à-dire la vue générale, c'est-à-dire la taille. Est-ce que c'est une personne de loin? Est-ce que vous voyez ses yeux, son nez ou sa bouche? Taille, il est petit. Lorsqu'il se rapproche de moi, doucement, je commence à voir ses yeux, son nez, sa bouche. Son allure générale. Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est de taille moyenne, de grande taille ou bien de petite taille? Ensuite, on va parler des caractères, ses caractères, il est comment? Les qualités et les défauts. Donc, l'allure, les parties du corps, les caractères, les qualités et les défauts. Donc, pour cela, regardez bien, suivez bien. Donc, lorsque je parle Lorsque je parle de l'allure générale, c'est-à-dire je vais parler de la taille. Est-ce que c'est une grande taille? Est-ce que c'est une taille petite? Est-ce que c'est une taille moyenne? Et lorsque je vais parler des parties du corps, qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Il y a la tête, il y a les membres, les mains et les pieds, il y a aussi la poitrine, il y a aussi le ventre. Donc, les parties du corps sont la tête, les membres. Et les pieds. Donc, les parties du corps sont la tête, les membres, la poitrine, le ventre. Donc, les caractères. Les caractères de cette personne, est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est amusant ou bien amusante, courageux ou bien courageuse? Nous avons vu ça, les adjectifs au féminin. Enfin, nous allons voir les défauts. Les défauts, c'est-à-dire, il est paresseux ou bien il est heureux ou bien il est maladroit.
des étapes. Est-ce que c'est clair pour les cheveux? Je vais parler maintenant de lorsque je parle Lorsque je parle de la tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il y a, pardon? Donc, dans la tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il y a les cheveux, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, le visage, la peau, etc. Il y a plusieurs choses. Donc, comme vous voyez, nous avons démarré de l'allure générale. Les parties du corps. La poitrine, le triste, heureux, malheureux, et les défauts, courageux, honnête, parfait, amusant, bien, maladroit, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Dans la tête, il y a les cheveux, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, etc. Le visage, la peau et les... D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, on continue. Lorsque on parle du donc des cheveux, par exemple les oreilles. Alors, les cheveux, ils sont comment? Ils sont noirs, ils sont clairs, ils sont raides. Les oreilles, pointues, décollées. Le nez. Pointu, grand, petit, pointu. Le visage, petit, large, souriant. La peau, elle est brune, elle est blanche, elle est rouge, comme vous voulez. Donc, vous voyez, j'ai commencé par l'allure générale, les parties du corps, les caractères, les qualités, les défauts. Et je vais les détailler au fur et à mesure pour que ma description soit bien organisée. Est-ce que vous êtes... D'accord? Est-ce que vous suivez? Donc, tout d'abord, vous allez prendre ça sur vos cahiers parce que je vais enlever ça et on va faire une production collective. Un récit, un peu, une production, une description collective. Donc, vous devez prendre ça sur vos cahiers avant de poursuivre la leçon. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on va commencer par grande taille ou bien petite taille ou bien taille moyenne. On va parler des parties du corps. C'est la tête, les membres, c'est-à-dire les mains, les pieds, la poitrine, le ventre. On va parler ensuite des caractères, sympathiques, gentils, méchants, tristes, heureux, comme vous voulez. Les qualités de cette personne, cette femme, de cette fille ou bien de ce garçon. Il est courageux, il est honnête, il est parfait, il est amusant. Et enfin, les défauts. Il est paresseux, il est peureux, il est maladroit, il est adroit. Donc, la bouche. Et
Lorsqu'on va parler de ça, on va associer des adjectifs à ces différents noms. Les cheveux noirs, clairs, raides, par exemple. Les oreilles, est-ce qu'elles sont pointues, décalées? Les yeux noirs, bleus, verts, petits, etc. On n'est pas obligé de passer par toutes ces parties, mais quand même, la description doit être du grand au petit. Donc, je commence par le cahier avant de terminer. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien l'écriture? Ou bien... Donc, essayez de prendre ça sur vos cahiers parce que je vais enlever ça et on va commencer par faire une production collective en passant par toutes ces étapes-là. Donc, on va faire un portrait d'un petit garçon ou bien d'une toutes ces étapes. Est-ce que vous voyez le tableau? Ici, pour ceux qui ne voient pas le tableau, donc, paresseux, peureux, maladroit, paresseux, peureux, maladroit, ou bien à droite, comme vous voulez. Donc, après, lorsqu'on va faire une... J'ai écrit tous les adjectifs au masculin. Lorsque je vais parler d'une petite fille, je vais accorder les adjectifs, bien sûr, au genre. Et lorsque je vais parler de plusieurs personnes, je vais accorder l'adjectif en nombre. Donc, j'ai écrit tous les adjectifs au masculin. Donc, je vais voir, est-ce que vous savez maintenant faire l'accord avec le nom ou pas encore? Après, on va faire une le portrait doit être bien organisé, bien rédigé. Donc, on arrive jusqu'au plus petit. Lorsque je vois une personne de loin, bien sûr, je ne peux pas voir ses yeux. Petite, est-ce qu'elle est moyenne? Et lorsque je rapproche doucement de lui, je commence à voir. Avant que je termine la description. Donc, pour ceux qui...
ses qualités. Il est courageux. Il est peureux. Il est honnête. Il est parfait. Il n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le sport. Il aime, je sais pas, il aime les films. Il aime regarder la télé. Il aime les jeux. Ses défauts, il est comment? Il est paresseux. Il n'aime pas le sport. Il n'aime pas jouer au ballon. Il n'aime pas les jeux télévisés, etc., etc. Il est maladroit. Il est adroit, etc. Et lorsque je vais parler de la première partie du corps, la tête, je vais décrire les cheveux qui sont noirs, bruns, blonds, raides, etc., bouclés. Donc, les oreilles, elles sont comment? Elles sont pointues, elles sont décollées. Ses yeux, il est noir, elles sont noires, elles sont bleues, elles sont vertes, etc. Son nez, il est pointu, il est arrondi, il est grand, il est petit. La bouche, elle est petite, elle est large, elle est souriante. Enfin, on va parler de la peau. Donc, on peut parler de plusieurs choses. Pour cela, j'ai une de suspension. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez terminé? Vous allez me dire, est-ce que vous avez terminé ou non? Allez, je veux voir vos commentaires. Les autres, allez. Oui, vos commentaires, est-ce que vous avez terminé? Répondez par oui ou non, allez. Oui, allez les autres. Sonia, c'est bien. Insaf, oui, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez terminé? Allez, vite. Faites vite, on va essayer de terminer par une production collective. Très bien, oui, très bien. On va essayer de faire une production collective. Est-ce que vous avez pris tous les adjectifs au tableau, tout ce qui est écrit au tableau? Allez, pour que je puisse terminer la leçon. Donc, on va essayer de faire. On va essayer de faire. Les autres, vous ne pouvez pas voir le tableau. Donc, paresseux. Vous pouvez faire d'autres adjectifs. Vous pouvez donner d'autres adjectifs. Ici, on va décrire un petit garçon. Lorsque vous allez décrire votre mère, par exemple, vous allez utiliser vos mamans, vos papas qui sont à côté de vous. Est-ce que c'est clair? Donc, le même exemple qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire chez vous, à la maison. Vous allez décrire vos mamans, vos papas, vos frères, vos soeurs, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, allez, est-ce que vous avez terminé? Oui, très bien. Allez, c'est bien, allez. Allez. Allez, on va maintenant corriger le premier paragraphe que nous venons de décrire au début de la séance. Est-ce que vous voyez ça? Allez, je vais voir, est-ce que vous voyez ça ou non?
Allez, suivez maintenant. Allez, vous allez me suivre. Très bien. Allez, regardez ici. J'ai 9 ans. Je suis en quatrième année. Donc, c'est une phrase. C'est un début. C'est une phrase pour. C'est une phrase pour introduire. C'est une phrase. C'est une phrase pour introduire. C'est une phrase pour introduire le portrait. Donc, je dois écrire tout d'abord pour commencer mon portrait. Je dois donner une phrase pour introduire mon portrait. C'est-à-dire, je vais faire le portrait de qui? Disons par exemple maman. Maman a combien d'années? Elle est enseignante. Elle est professeur. Elle est pilote. Ce que vous voulez. Donc, la phrase pour introduire, c'est une phrase pour introduire le portrait. Ensuite, je suis de grande taille. Je parle ici. Je parle de l'allure générale. Je parle de l'allure générale. Je commence par le plus grand. Donc, je suis de grande taille. Ou bien, maman est de petite taille. Maman est de grande taille. Maman est de taille moyenne. Et sportif. Et athlétique. Lorsque je vais parler d'une personne qui a une bonne santé. Donc, je vais parler, il est sportif, il est athlétique. Après, je passe à la tête. Je peux dire, j'ai une petite tête ronde. J'ai une tête ronde, j'ai une tête ovale, comme vous voulez. Mon visage est ovale. Donc, on parle du visage ici. Ensuite, et j'ai les yeux oui, c'est bien, oui, vous voyez bien, très bien. L'allure générale, je parle de la grande taille. Taille est sportive. Alors, mon visage est ovale, donc mon visage est rond, ou bien mon visage est carré, ce que vous voulez. Mes cheveux, les cheveux, c'est un nom au pluriel, vous voyez, donc, sont. Mes cheveux sont bruns. Donc, je commence par l'allure générale, puis je passe à la tête. Brun. Et j'ai les yeux marron. Mon nez est petit, ou bien mon nez est grand, ou bien mon nez arrondi, comme vous voulez, ou bien mon nez est pointu, comme vous voulez. Et ma bouche est fine, ma bouche est large, ma bouche est souriante, d'accord? Je porte des lunettes, je porte des lunettes. Donc, regardez ici, ici on parle de quoi? C'est le portrait physique. Qu'est-ce que ça veut dire le portrait physique? C'est-à-dire je parle de mon corps. C'est le portrait physique. Je commence par une phrase pour introduire le portrait. Ensuite, j'écris un petit paragraphe pour parler du portrait physique, c'est-à-dire le portrait de mon corps. Je continue. Je suis sympathique. C'est quoi je suis sympathique et généreux? On parle des
qualités, des caractères. Ce sont des caractères. Je suis sympathique et généreux. Mais un peu paresseux, c'est un défaut. C'est un défaut. J'aime, je peux ajouter d'autres adjectifs. Je suis sympathique, je suis gentil, je suis méchant, je suis triste, je suis heureux, comme vous voulez. Et généreux, j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Est-ce que vous voyez bien ce que j'ai écrit au tableau? La connexion est faible, ce n'est pas de ma faute. Je m'excuse, ce n'est pas de ma faute. Donc, on continue. Allez. Donc, je suis sympathique et généreux, mais un peu paresseux. J'aime beaucoup le chocolat et j'aime aussi jouer au foot. Donc, c'est le portrait moral. On parle ici du portrait, le portrait moral. D'accord? Portrait moral. J'aime beaucoup le chocolat et j'aime aussi jouer au football. J'aime aussi jouer aux échecs. J'aime jouer au Scrabble. J'aime jouer au domino, comme vous voulez. Je déteste les gens qui sont méchants. Je n'aime pas, je déteste, c'est-à-dire je n'aime pas les gens qui sont méchants. Ou bien j'aime les gens qui sont bons. Je m'appelle. Être pilote, ce que vous voulez. Donc, comme vous voyez, c'est une, ici, c'est une conclusion. Donc, pour faire un portrait, je dois commencer par une phrase pour introduire. Enfin, je termine par une conclusion. Donc, cette description doit être intégrée dans un récit là où il y a un début et une suite et une fin, pardon, comme je viens de dire, vous allez voir ça avec Madame Kaufer la prochaine fois. Est-ce que vous avez compris? Essayez de prendre ça avant de terminer.
Donc, chez vous, vous pouvez transformer ce paragraphe, en faisant la description de vos mamans, ou bien de vos frères, ou bien de vos sœurs. Ah, qui peut changer le G avec la maman? Allez. Maman a, disons, 30 ans. Elle est ingénieure, ou bien elle est pilote. Est-ce qu'elle est de grande taille ou bien de petite taille? Je dis plus mon visage, c'est son visage. Son visage est ovale. Ses cheveux, c'est-à-dire les cheveux de ta maman, elles sont bruns. Au lieu de dire j'ai les yeux, vous dites elle a les yeux. Elle a les yeux noirs, les yeux marrons, les yeux bleus, ce que vous voulez. Mon nez, le nez de maman, son nez est petit et sa bouche est fine. Elle porte des lunettes. Elle porte des lunettes. Elle est sympathique. Au lieu de dire je suis sympathique, elle est sympathique et généreuse. Nous avons vu que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Je suis généreux, elle est généreuse. Est-ce que c'est clair? Elle est généreuse. Elle aime beaucoup le chocolat. Est-ce que vos mamans aiment le chocolat? Tout le monde aime le chocolat. Et elle aime aussi jouer au foot. Est-ce que la maman aime jouer au foot? La maman aime jouer au Scrabble, par exemple, aux échecs, aux jeux télévisés. Je déteste les gens qui sont méchants. Maman, elle déteste les gens qui sont méchants. Donc, vous, nous sommes. Être. Directeur, bien directrice. Donc, on a commencé par l'allure générale. Pas la même description pour tous les membres. Donc chacun a un portrait propre à lui. Donc, elle est à droite. Ce que donc, c'est très facile, vous n'avez qu'à suivre les étapes que je viens d'écrire au tableau. Donc, lorsque je fais un portrait, je commence par le plus grand et je vais vers le plus petit. Les yeux, son nez et les caractéristiques de son corps. Est-ce que c'est clair? Donc, je vois vous montrer un peu. Donc la connexion, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion.
je reprends, vous allez. Cheveux, ses cheveux. Donc, vous changez seulement les pronoms et vous n'oubliez pas d'accorder les adjectifs en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Toujours, mais c'est espérons que vous avez compris cette leçon et espérons que vous avez compris comment faire un portrait d'une personne. Allez, au revoir et à la prochaine fois, mes enfants. Bye bye.